Vocabulaire, épisode numéro 5, Jacques et le haricot magique. Donc nous allons, comme d'habitude dans cette vidéo, travailler sur le vocabulaire de l'épisode numéro 5. Comme à chaque fois, tu auras soit une image, soit une définition associée à ce mot. C'est parti. Premier mot. Expression avec méfiance. Alors qu'est-ce que c'est la méfiance? Voilà une image pour t'aider. Avec méfiance, c'est être sur ses gardes. C'est se poser des questions, se demander, voilà, être méfiant de quelque chose. On reste sur ses gardes, on se pose des questions. Tu vois là le personnage qui a des doutes, on dit qu'il est méfiant. On peut répéter ensemble l'expression avec méfiance. À vous. Ok, je continue. Le distraire. Distraire quelqu'un, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire détourner l'attention, l'intéresser à autre chose. Donc distraire une personne, c'est faire en sorte qu'il s'intéresse à autre chose. Détourner son attention, lui faire penser à autre chose. On répète le mot ensemble, le distraire. À haute voix, à vous. Je continue. L'oiseau pondé. Alors, pondé, c'est le verbe pondre. Pondre, c'est produire des œufs. Donc, on répète ensemble. L'oiseau pondé. À vous. Je continue. Vivre sans souci. Vivre sans souci, donc ça c'est une expression, on voit que là, vivre sans souci, c'est être heureux, joyeux, vivre sans problème. Un souci, généralement, c'est un problème qui nous préoccupe. Là, vivre sans souci, c'est être heureux, content, sans problème. On répète l'expression, ensemble, à haute voix, vivre sans souci. Alors, maintenant, à toi de retrouver le mot en fonction des définitions et des images. Si je te dis détourner l'attention, l'intéresser à autre chose, quel était le mot ou l'expression qui correspondait à cette définition? Je te laisse quelques secondes. Le distraire, quand on détourne l'attention ou qu'on intéresse quelqu'un à autre chose. Distraire cette personne. Je continue. Si je te montre cette image, c'était avec méfiance. Je continue. Produire des œufs. Je te laisse quelques secondes. C'est pondre. Le verbe pondre. Dans le texte, il y a écrit l'oiseau pondé. Je continue par une image. C'était l'expression vivre sans souci. Donc je répète les quatre mots et expressions importants pour l'épisode numéro 5. Donc le distraire, pondre, l'oiseau pondé, avec méfiance, vivre sans souci. Voilà pour les vocabulaires de l'épisode numéro 5. On se retrouve dans une deuxième vidéo pour raconter l'histoire avec les illustrations.